Allez, Marisa. Allez, Marisa, c'est bien. Allez, Marisa. Allez, Fifi, allez. Allez, ça diminue. C'est une grande descente maintenant. Allez. Allez Marisa, très bien Marisa. Allez, tu y vas maintenant Marisa. Allez dans la descente.
Ça va, Jérôme, c'est bien. Allez, Maxime. Hein? Allez, Jérôme. Allez, Maxime. Allez, Max. Toi, gamin, laisse-toi aller, tu te laisses aller. Allez, Maxime, faut y aller maintenant dans la descente, hein. Allez, Maxime, allez. Allez, Letty. Allez, Caro. Allez, Caro. Allez, Laetitia, il faut se battre, hein. Allez, Laetitia, il faut se battre, hein. Allez, vas-y, Laetitia. Allez, Laetitia. Allez, Sophie, Laetitia. Allez, Laetitia. Allez, c'est bon, continue. Allez, à fond dans la descente, Laetitia. Allez, dans la descente, Letty. Allez, Joe! Magnifique, Nico. La belle bavette. Oui, ça, le soleil. Geoffrey.
Allez Sandra! Allez, ne pas se retourner, hein, Sandra! Allez Nat! Allez Nat, t'es bien là, t'es bien Nat! Joachim, fond de caisse, hein, allez! Allez Roxane! Dégage!
Allez, Rox. Allez, toutes les deux. Allez, Rox. Ignore le fil, voilà. Allez, Isabelle. Bon, Isabelle. Allez, hein. Allez, Rox. Allez, c'est bien. Allez, Rox. 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 Allez, allez France. Allez France. Allez France. Qu'est-ce qu'il faut comme tout? Un petit. Allez Anne. Coucou. Allez France. Allez Anne. Allez Eric. Allez là. Allez Moreau. Allez Eric. Allez, Moro, c'est bon, Moro. Allez, 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 all
difficile quand il est déjà endormi. Hein. Crie un petit peu, le Florian. On est un peu de musique. On vous dit ça, votre. Allez Marc, Jérôme. Allez Jean-Marc. Allez John. Noël. Allez Jacques. Edgar et Georges. Allez. Allez les gars. Allez Denis. Allez Jean. Allez les gars, allez Jérôme. Jérôme il a l'air de hache. Allez
Allez, Marc. Allez, Jérôme. Allez, Jérôme. Allez, Marc. Allez, Marc, ça revient derrière. Allez, Georges. Allez, John. Allez, John. Mon cœur d'amour. La 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 la. Allez, les gars. Charleroi. Allez, Charleroi. Allez, Bénédicte. Allez, Christian. Allez, Joël. Allez, Charleroi. Allez, Alain. Allez, Alain. Allez, Marco. Allez, Charleroi. Allez, Christian. Allez, Jean-Luc, allez, Marc. Allez, Denis. Allez, Joël. Allez, Alain.
qui sont champions du Lido senior. Donald 3 et Potom pour les 5 premiers. Allez Joël. Premier de l'épreuve, champion du Lido 93, Christian Hymet. Christian Hymet, profil de Charleroi. Depuis qu'il a sa petite queue, là, il se fait prier. Hein. Deuxième, Eric Solas. La Louvière a pris une belle bagarre. Félicitations. En passant, Mark Walton, il a 36 ans, derrière des 4 pas. Passant qui accueille 4e et 5e, Denis Lenoir, du Sporting de Charleroi, l'homme d'Anderlu, elle bourlettit, comme on dit Anderlu. Il était de la partie hier, près d'Herculine, pour participer au championnat du Hainaut de cross-country, un circuit de 1000 à 10 000 mètres selon les catégories que tous les participants ont jugé très difficile et très technique. Sur un tel circuit, les favoris n'ont pas déçu, et en particulier ceux de la région. Le risque de Charleroi et l'UAC de Châtelineau ont rapporté une belle série de médailles. Le reportage d'Isabelle Mérague et de Marc Pekel. Le paisible village de Bercy, l'abbaye, vient de vivre un dimanche pas tout à fait comme les autres. C'était le grand rassemblement de 700 athlètes ennuyés. Le GREA, le club local et organisateur du championnat, avait concocté un circuit très technique et donc sélectif pour un spectacle garanti. C'est avec les plus jeunes que le départ a été donné. Et déjà une place sur le podium pour l'Union athlétique de Châtelineau, avec Vanessa Fauchy derrière Perrine Pécriot du GREA. Côté masculin, les plus petits, nés en 85-86, n'ont rien eu à faire face à Ludovic Louis-M du Royal International Sporting de Charleroi. Même résultat sans surprise pour son équipier Geoffrey Castado chez les pupilles. Entre-temps, toujours issu du risque et dans la même catégorie côté filles, Laetitia Pingot s'est hissée à la deuxième place derrière Caroline Lejeune du Gréa qui, il faut le préciser, accumule les victoires. Tout comme le risque d'ailleurs, puisque c'est bien logiquement que Sandra Antenucci a pris possession de la première marche du podium des minimes 81, tandis que Nathalie Gollens, d'un an son aînée, se la faisait voler par Laurence Devenin de la CDC de Flobecq. Mais c'est Saint-Guilain et Mons qui se sont imposés chez leurs homologues de la jante masculine, avec entre autres Gilles Cathy du MOA, derrière le local Frédéric Simon. L'épreuve des cadets 79 a couronné Fabien Azebrook de l'EAH de Bizet, une deuxième place pour le club de Châtelineau en la personne de Nicolas Crucifi, en course depuis 6 ans déjà. Et une troisième place pour son équipier Laurent Renard chez les cadets 78, derrière le duel entre Mourad Tafik de la Louvière et Christophe Lumen de Mons, qui sera finalement sacré champion. Les scolaires ont vu la victoire de la favorite Magali Di Maggio de Saint-Guilain qui s'est imposée devant la Carolo Roxane Kuisner qui, blessée cette année, n'a pas suivi un entraînement très poussé, surtout en cross. Il y a ma blessure aussi, c'est normal qu'elle gagne parce qu'elle allait mieux que moi. Alors, sinon, j'ai bien couru, elle a bien couru, c'est tout. Chez les hommes, Grégory de la Roca de l'UAC n'a décroché que la troisième place devant le Tournaisien Jérôme Hurteux et Frédéric Boucart du Gréa qui signait ainsi sa première victoire. Châtelineau encore à l'honneur avec une belle progression de Stéphane Jarosinski pour sa deuxième participation au championnat en scolaire 76, dauphin cette année du Montois Olivier Kempeners. Et cette année, tu es deuxième, tu attribues ça à beaucoup d'entraînement ? Non, pas beaucoup parce que l'athlétisme n'est pas mon sport. De base, je fais du basket principalement. L'athlétisme est seulement un complément. Mais malgré tout, un très bon résultat. C'est un parcours qui t'a semblé facile ? Non, très difficile. Mais je me suis senti bien au début du deuxième tour et j'ai pu rattraper les deux premiers. Et dans la course qui regroupait également les juniors et les vétérans, Jérôme Van Russel du risque est pour la troisième fois consécutive champion du Hainaut sur ce parcours vallonné et exposé aux 80. Il est aussi dur que celui de l'année dernière. Disons qu'il y a beaucoup de faux plats, il y a beaucoup de côtes là-bas, c'est assez dur. Toujours des relances, non, c'est vraiment dur comme parcours. C'est vraiment un parcours de cross. Quoi. Devant lui, à l'arrivée mais non classé puisque français, Stéphane Chopin est dans la catégorie vétéran. La superbe victoire de Jean-Luc Scoyer, 43 ans, du club Montois. Je le connais bien, on se bagarre souvent ensemble. De temps en temps, il me bat, ici il m'a battu. Ouais, sinon, c'est un ami avant tout. Quoi. Enfin, Stéphane Chopin, je ne le connais pas, c'est un Français.
J'ai couru qu'une fois avec lui, il m'avait battu largement. Ici, j'ai quand même bien suivi et bon, je suis content de ma course. Dans le cross-court des hommes, une épreuve de 3000 mètres destinée aux coureurs de vive allure, c'est Éric Dombier du Risque qui l'a emporté haut la main devant Daniel Lelangue du MOA et Angelo Buzzi de l'OSGA. Bah, je ne le connaissais pas. Bon, moi, j'ai tenté ma chance d'y aller devant, quoi. Mais ça a été. Enfin, aussi qu'ici dans le NO, à part ça, ce qui peut me battre, personne d'autre dans le cross-court, quoi. Vos prochaines courses ? Vos prochaines courses, Châtelet ou bien le LBFA avant. Chez les coureurs de fond, dans le 10 000 mètres des seniors, c'est encore un sportingman, Christian Nemeth, qui était le meilleur. La revanche dans les mollets pour oublier son doublon de 3e place dans les championnats précédents. Si les absents qui sont Pavone, De Smet et Rousseau avaient été là, je pense qu'il y aurait eu plus de bagarres. Mais je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Disons que ce que je constate, c'est que le titre est là et je m'en réjouis. Alors le prochain championnat ? C'est le LBFA, c'est-à-dire le championnat régional, dans 4 semaines. Et 4 semaines plus tard, le championnat de Belgique en Flandre.